Patrick Aubert, qu'est-ce qui, on va parler d'autres projets dans quelques instants. Je sais qu'il y a d'autres projets qui sont soutenus par l'association TEGO qu'on ne peut pas, on peut pas tous les citer ce soir, mais il y en a un projet que vous souhaitiez évoquer avec quelques images que l'on va voir dans quelques instants derrière nous. D'accord. Oui. Alors c'est un projet qui est en lien avec la soirée puisque il s'agit du travail qui a été fait par Élodie de la rue du Camp, qui est une artiste qui a été blessée, qui a séjourné aux Invalides et qui a mis à profit son séjour pour réaliser un certain nombre d'œuvres à partir de ce qu'elle voyait, c'est-à-dire les bâtiments des Invalides, mais aussi les soignants et tous ceux qui l'entouraient. Et elle a fait des croquis, des tableaux tout à fait remarquables. Et tous ceux qui sont ici ce soir repartiront avec un exemplaire de cette œuvre. Et puis ceux que nous appelons les VIP, pour qui nous avons évidemment la plus grande estime, nous avons fait réaliser un encadrement et donc ils repartiront aussi avec une preuve du talent de cette jeune femme qui a parfaitement rendu compte de ce que pouvait être la réalité d'un séjour aux Invalides. Voilà, Élodie voilà. De la rue du Camp est parmi nous ce soir et vous pouvez l'applaudir. Je pense que cela mérite effectivement des félicitations.